Chers auditeurs et spectateurs du site internet wpfrp.info, bienvenue à Horizon francophone dans le cadre du 7e festival francophone de Victoria organisé par la Société francophone. On a une première performeuse, Marie-Josée, qui vient de lancer un nouvel album, www.mariejosee.com, www.mariejosee.com. C'est une artiste émergente de la francophonie. De où est-ce que tu viens, ta biographie, tu nous comptes ta vie? C'est le temps de se déshabiller. OK, bien, je viens du Manitoba. Puis j'ai commencé la musique quand j'avais comme 12 ans où j'ai pris au sérieux le piano. J'ai pris des leçons privées parce que ma mère avait le rêve d'être pianiste. Là, alors elle m'a genre imposé de prendre des leçons de piano. Puis ensuite, à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de lâcher tout ça pour chanter. Alors de 17 ans jusqu'à maintenant, je prends des leçons ici et là. De différents styles, puis j'aime ma job. Et puis, moi, c'est-tu ma première héros du Manitoba, bien avant Daniel Lavoie? Ouais. Toi, tu es un peu jeune. Mm-hmm. C'est une femme qui s'appelle Lucie Star. Oh, yeah, j'ai chanté. Qui chante. Viens donc danser, Kalinda, quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Yeah, yeah, yeah. Ah oui. Et qu'est-ce que tu vises? Ton CD est tout chaud. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Pour les francophones, ben à Winnipeg, ça peut aller parce que vous êtes pas mal de francophones, mais c'est pas la même situation en Victoria, une communauté disparate. On est 300 000, supposément, selon Stats Canada, mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains shows, tournées, whatever? Bien là, je viens de genre faire 2 ans et demi non-stop depuis le lancement de Rebondir. Yeah, ça a été un peu fou. Puis j'ai aussi lancé un album pour enfants qui a tourné un peu partout aussi. Alors là, je lance Rebondir. On est allé un peu partout en France déjà pour faire une vitrine. Pas tout cul dans le bec. Et puis on est allé justement ici. Puis on s'en va au Québec la semaine prochaine. Puis ensuite, je vais me détendre un petit peu pour vraiment comme laisser faire la promo pour ensuite lancer à l'Est. Alors ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour nous. On essaie d'avoir une stratégie pour l'Est, puis lancer à ce bout-là aussi du monde, hein, du Canada. Puis l'Acadie? Mm-hmm. Tu vas-tu aller là, l'Acadie, là, comme à Comoville, en Nouvelle-Écosse, d'Arvoville, Caraquette? On est allé justement faire une tournée de comme, je pense, 3 semaines et demie. C'était une longue tournée. Donc, on a commencé à Moncton, puis on a fait pas mal tout le Nouveau-Brunswick il y a 2 ans. Alors, on espère retourner comme très bientôt parce que c'était magique. Bière au bleuet. Et quelle ville que tu vas faire au Québec particulièrement? On s'en va à Desjilly pour faire lancer notre vitrine de pas tout cuit. Alors on s'en va faire ça devant des diffuseurs. Puis ensuite on croise nos doigts qu'on va tourner dans la Gaspésie cet été. Alors si tout va bien avec la vitrine, on tourne. Alors croisez vos doigts, Victoria. Il faut aller au Saguenay aussi. Faut pas faire simple. Au Saguenay, Lac-Saint-Jean, Trois-Rivières, la ville de Québec, le Festival d'été de Québec? Pas encore, mais j'espère que ça en vient parce que j'aimerais tellement le faire. Je vais vérifier le site à chaque année là, pour voir qu'est-ce qui se passe parce que c'est des beaux festivals dans ce coin-là. Ouais, je ne sais pas si tu chantes du jazz, mais il y a un festival de jazz aussi à Rimouski qui s'appelle le festival. Il y a le Festival des Vents. Mm-hmm. Oui, j'ai chanté du jazz. Comment que tu savais? Ah. Yeah, avant, j'étais dans un groupe de jazz, puis aussi j'étais dans un groupe de femmes percussionnistes. Alors, c'est le fun de faire un peu des deux quand j'ai le temps. Tu devrais soumettre ta candidature pour le festival. Il y a un festival jazz ici, okay. Par l'entremise de la Société Conseil artistique francophone de la Colombie-Britannique. Donc, ah, c'est le fun, ça, il va falloir. Je vais te garder en tête, je vais garder ça en tête. Donc, c'est le temps de dire tous tes détails encore, ta page Internet et tous les autres détails, c'est le temps, c'est un Facebook, tout le tralala. Oui, si vous voulez me rejoindre, vous me parlez sur mon site www.mariejosee.com et puis vous pouvez aussi vérifier ma page site web ou Facebook surtout, qui est aussi Marie-Josée. Yeah.